S'il y a bien un album ou encore un clip qui sont entrés dans la légende, c'est bien Thriller. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Et il fera de Michael Jackson une icône planétaire. Et il faut ce soir accepter de faire un constat pour toute une génération. Le temps passe vite, très vite. Imaginez, cet album fête ses 40 ans et n'osait même pas affirmer à un fan que le son de Michael a pris quelques rides. C'est inenvisageable. Thriller, forcément culte ce soir. Eric Cornet et Fabienne Blévis. C'était hier soir dans un club parisien. Des fans de Michael Jackson réunis pour fêter les 40 ans d'un album et d'un clip de légende. Le clip de Thriller, c'est historique, c'est grandiose, c'est révolutionnaire. Innovant. C'est énorme, quoi. Moi, grâce à Michael, je suis devenue danseuse, donc inspiration. Thriller, c'est le coup de génie d'un artiste en quête de perfection qui va bousculer les codes de l'industrie musicale et même de la danse. En cette année 1983, les tubes Billie Jean, puis Beat It, ont déjà propulsé l'album en tête des ventes. Michael Jackson est devenu le roi de la pop, mais il veut aller encore plus haut. C'est le film Le Loup-garou de Londres et cette scène en particulier qui va lui donner l'idée du clip. Son réalisateur John Landis est sollicité. Problème, maquillage et effets spéciaux coûtent trop cher. Alors Jackson a une idée. Produire un making-of, donc les coulisses du tournage filmé, vendu à ses chaînes de télé pour financer finalement le tournage du clip. Donc en fait, Thriller invente l'économie du making-of. Tourné à Los Angeles, le film a bien failli ne jamais voir le jour. Michael Jackson fait partie des témoins de Jéhovah qui s'offusquent de le voir évoluer au milieu de zombies. Paniqué, Jackson envisagera même de détruire les bandes. Finalement, tout sera réglé par ce message en préambule du clip. En raison de mes fortes convictions personnelles, je tiens à souligner que ce film n'exprime en aucun cas une quelconque croyance dans l'occulte. Thriller est prêt à inonder le monde. Ceux qui sont sensibles ferment les yeux, mais n'oubliez pas que c'est un film d'humour tout de même. Regardez, Thriller, Michael Jackson. Oh my God. Et c'est bien plus qu'un clip que les téléspectateurs découvrent ce soir-là. Un véritable court-métrage de 14 minutes. I'm different. What are you talking about? Avec un Michael Jackson amoureux, mais porteur d'un lourd secret. Are you all right? En plus, il y a un scénario, il y a cette mise en abîme de Michael au cinéma, sur l'écran, qui après est dans la salle, puis qui devient zombie. C'était vraiment du cinéma. Et puis John Landis, c'est quand même pas un débutant. Hein. Le clip est d'ailleurs truffé de références au loup-garou de John Landis, bien sûr, mais aussi au classique du genre. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of... Et pour cette partie parlée qui fait peur, on fait appel à Vincent Price, un acteur de films d'épouvante des années 60 à qui l'on doit aussi le fameux rire satanique. Tout aussi culte que la musique, la chorégraphie des morts vivants. Depuis la mort de Michael Jackson en 2009, les flash mobs et autres danses de zombies ont envahi la planète. Qui ne s'y est jamais essayé devant son miroir ou avec une console de jeu? La choré, elle est quand même difficile parce que déjà elle est longue, donc forcément il y a plein de pas différents et c'est des mouvements qui sont assez rapides. Il y a des jeux de jambes qui sont quand même assez poussés, mais c'est ce qui rend le challenge amusant. Une chorégraphie et un clip qui à l'époque avaient relancé les ventes au point de dépasser les 100 millions d'exemplaires. Un cas unique dans l'histoire de la musique. Et l'album Thriller ressort aujourd'hui dans une nouvelle édition avec plusieurs titres inédits.